Ouais, donc tu aurais des potions de mana? Non, pas de chance, il n'en a plus. Ah ouais, du coup, t'as pas une potion de chance? Non, pourquoi? Bah ouais, une potion de chance, comme ça j'aurais de la chance, et avec de la chance, je pourrais avoir une potion de mana. Je crois pas que ça marche comme ça. Oh, mais c'était une blague, on dirait que j'étais un froid de canard. Hé, t'as compris, parce que t'es un canard. Ok, pardon, je m'excuse, j'avoue que mon jeu de mono c'est pas trop pas, t'es un canard. T'as compris, parce que t'es un canard. J'avais une question. Mais j'y raconte, j'y raconte. Je pensais, tu crois que je pourrais être l'employé du mois? Mais ça va pas ou quoi? Non, mais jamais tu seras l'employé du mois. Ah, pourquoi? Et parce que t'es déjà l'employé de moi. Ah. Et parce que, bah, y a d'autres personnes qui travaillent ici. Bah, y a qui? Moi. Ah bah oui, bah si c'est toi, alors je serai jamais l'employé du mois. Mais par contre, tu peux être l'employé du toit. L'employé du toit? Et du coup, ça dure longtemps, employé du toit? On se les meule, hein? Xylorek, tu viens de faire l'inventaire, y'a plus de potions de vie, là. Bah ouais, je sais, j'ai tout vendu. T'as tout vendu? Bah ouais. Bah bravo, félicitations, t'as vendu ça comment? Bah j'ai vendu ça contre des slim flows, comme tu fais toujours. Ah bah c'est super, qui t'a fait ça? Bah je sais pas, c'était un petit blond avec un petit chapeau vert, un bonnet de nuit entre Arnold et Robin des Bois. Ah oui, je vois qui c'est, ouais. C'est quelqu'un qui parle pas et qui fait des petits cris bizarres, c'est ça? Ouais, ouais, c'est lui, ouais. Et du coup, comment t'as fait pour lui vendre 99 potions alors qu'il parle pas? Mais si, il parle, il fait. Du coup, j'ai compris que c'était 99 potions. Par contre, je viens d'avoir une idée. J'y raconte, mec, Xylorex. Comme il n'y a plus beaucoup de potions, on peut annoncer une pénurie. Ouais. Comme ça, on monte les prix. On augmente les prix, et donc du coup, on fera un max de profit. Ouais, parce qu'il y a plein de monde qui va venir. Excellent, Xylorex. Et du coup, avec tout ce pognon, on va pouvoir réparer les trous qu'il y a sur le toit. Il y a des trous sur le toit? Bah ouais, je suis tombé tout à l'heure. Une pintade pour monsieur. Et à la vôtre. Vous avez pas soif? Bah comment ça vous avez pas soif? Vous venez de commander une bière? Ça n'a pas de sens. Alors vous? Me dites rien. C'est l'amour, c'est ça, Cupidon? Fais encore des bêtises? Depuis quand la différence est un problème? Attendez, la différence c'est quand même une sacrée richesse. Être différent de l'autre, c'est avoir quelqu'un qui est pas comme soi, c'est quand même génial. La belle et le clochard par exemple. Comment elle s'appelle? Bon, la chienne et le chien. À la base, ils ont rien à voir ensemble. Elle est tranquillement dans le confort, et puis lui, c'est pas le grand luxe, mais il joue le gars un peu libre, ça se passe bien, tout ça. Soit on fait des efforts pour faire entrer l'autre dans son univers, soit on le fait pas. Par exemple, ma mère, moi. Ma mère est lavalloise, mon père était bayonnais. Eh ben, il a fallu faire des efforts, je peux vous dire. Crayon de bois, crayon de papier, crayon de bois, on sait pas. Mon père disait crayon gris, ça, ma mère pétait les plombs, hein. Elle se fracassait la tête contre le mur. Si c'est pas la bonne aussi, mais ça, mon petit gars, personne peut te le dire. Votre homard. Vous avez jamais entendu ça? Le homard et la homard, ils restent ensemble toute leur vie. Pour vérifier son taux de homard, eh bien, il faut voyager. Lionel, combien de pourcents? 85. 85% des Français, ils pensent que voyager, c'est une étape importante de leur relation. Arrêtez-moi ça. États-Unis, Nebraska. Vous allez au Nebraska avec elle et puis vous saurez si c'est la bonne ou pas. Oui. Allez, fonce. Allez, fonce, vas-y. Ah non, c'est pour moi, allez, vas-y. T'as le Nebraska, ça vaut quoi? Ça vaut des Trump, tu penses? Non. Précédemment, dans Cliffhanger. Ouais, Tom, c'est moi, c'est Charlie. Eh hey mec, tu parles? Comment c'est possible? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mec avec une casquette de macaque qui nous a mis dans un coffre, et on a atterri ici. Toi et moi, on va aller dans le coffre, et on va aller chercher ta main. Ouais, je viens de me réveiller, et je sais sûrement pas où je suis, et je me souviens de rien. Charlie? Et je suis allé dans une coffre, c'est pas la mienne. Charlie! Charlie, je suis dans le coffre, ouvre-moi! Attends. Charlie! Je te rappelle. Putain, Charlie! 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 Charlie!
Salut, beau gosse. Charlie ? Tom ? Cette semaine, c'était le dernier épisode de la saison 1 de Cliffhanger. Oui, on est en train de bosser sur la saison 2 avec Netflix, tout ça. Enfin, on gère les balles, t'inquiète, on t'en parle plus tard. Du coup, pas de vote, mais tu peux mettre dans les commentaires ce que tu voulais voter. C'est bien, c'est cool, c'est sympa. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Bisous mon curieux.